Il fait partie des photographes les plus appréciés par les stars. Et pour cause, Jean-Marie Perrier a fait poser les plus grandes célébrités devant son objectif. Ainsi, Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo, Michel Berger ou encore Nathalie Portman et Sylvie Vartan se prêteront au jeu. Cette dernière était d'ailleurs la muse de l'artiste, ce genre de photo nous prenait rarement plus d'une minute trente. Point. Nos relations étaient vraiment particulières. Je n'avais rien à lui dire. Elle ressentait automatiquement la pose à prendre selon la position de mon objectif. En réalité, elle avait un sens photographique que je rencontrerai plus tard chez certains grands mannequins pour le journal Elle. Écrivait-il le 18 juin dernier sur Instagram. De ses centaines d'heures de shooting photo, Jean-Marie Perrier en a fait un compte Instagram. Sur lequel il publie des souvenirs, des pensées ou encore des anecdotes. Ce lundi 2 août, le photographe a publié un cliché de Josiane Balasko, pris dans les années 90 et paru dans le magazine Elle. S'il avoue que la légende photo n'a aucun rapport avec le cliché, l'artiste dévoile à ses fans une Josiane Balasko sensuelle et sexy. En effet, l'actrice porte une robe noire qu'elle ouvre ostensiblement au niveau de sa poitrine laissant apparaître ses seins dans un soutien-gorge en dentelle. Une photo légendée par un message tout de même énigmatique, Jean-Marie Perrier y évoque la transformation de la relation entre un mari et sa femme. Quand celle-ci donne naissance à un enfant, le problème de l'épouse qui devient mère c'est qu'elle risque à un moment donné de se prendre pour la vôtre. Ça peut devenir touchant pour les hésitants de la vie mais ça ne vous aide pas à approcher votre but de devenir le roi du monde. Comme tout mâle qui se respecte. Et puis ce n'était pas dans le contrat initial. Une réflexion qui a été soulignée par ses fans. Pour découvrir la publication de Jean-Marie Perrier, c'est ici.